et bienvenue sur Minecraft. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une voiture de sport. Alors, ça peut ressembler à une voiture de sport, à une Formule 1, c'est comme vous voulez. En tout cas, on va faire ça. Alors, la voiture fait 7 blocs de long sur 3 blocs de large. Donc, elle est pas très grande, mais bon, elle a la taille d'une voiture, quoi. Et elle va donc ressembler à ça. Eh bien, c'est parti, ça va être très rapide. Donc d'abord, on va placer les roues, hop, comme ça, voilà. Puis, on va venir mettre des escaliers en quartz, comme ceci, je me plante, voilà, tac, tac. Ensuite, on va venir mettre ici un escalier à l'avant, comme ça. Puis ici, on va mettre deux rails comme ça, pour pouvoir mettre un minecart et casser le rail là. Voilà. Donc vous allez voir après, ça va servir à quoi. On va ensuite mettre le moteur, donc on va mettre un dropper tourné par là, comme ça. Voilà. Puis on va prendre cette fois de la neige et on va venir mettre 3 blocs de neige comme ça. J'ai pas pris de neige là, j'ai pris du quartz. Je vais aller prendre 8 blocs de neige tout de suite. Voilà. J'en profite pour mettre le jour, c'est toujours plus sympa. Et voilà. Donc ensuite, on va s'occuper des roues. On va simplement mettre un bouton comme ça pour faire les enjoliveurs. On le sait, c'est très rapide, mais bon. Hop. Ensuite, on va venir faire l'aileron ici. On peut faire comme ça. Hop, avec des dalles en quartz. Ici, je vais prendre les blocs de redstone et surtout l'item frame. Tac. Hop. Hop. Puis, on va venir faire aussi la petite plaque d'immatriculation. Moi, j'aime bien mettre ça. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de la neige, donc cette fois de la neige en couche, comme ça, pas de bloc, puisqu'en fait avec la neige, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire des blocs pas entiers, ce qui fait qu'on va avoir des designs possibles comme ceci, qui sont vraiment très sympas. Donc ici une couche de neige, 2 et 3, ici une, hop, voilà, et ici ensuite, ici, on va venir en mettre, hop, 4, si je me trompe pas, non, 5, hop, voilà, comme ceci, puis ensuite, on va venir couvrir les roues avec des plaques de pression en fer, donc ils appellent ça des plaques pondérées en français, il me semble. Je sais plus trop. Et bah voilà, notre véhicule est terminé. Vous avez votre voiture de sport que vous pouvez placer sur une route ou dans votre maison. Voilà. Et alors je vais vous montrer tout de suite l'utilité du minecart. Si je clique, hop, je suis à la place du conducteur. Bon, bien sûr, ça n'avance pas, mais ça fait comme si quoi. Voilà. Bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo si vous avez aimé, tout simplement. Et puis, à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres tutoriels d'architecture Minecraft. Alors là, c'est pas trop l'architecture, mais moi j'ai tendance à dire que c'en est. C'est un peu entre les deux, entre la construction et l'architecture pure, puisque c'est vraiment des véhicules. Alors, il va y avoir plein d'autres tutos sur les véhicules. Je vous invite
Donc à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de ces tutos de véhicules. Voilà. Et bah, salut!